Ce soir, les jeunes lagunaires de Jacquesville dormiront sur leurs deux oreilles. Ils viennent d'obtenir leur qualification en battant le lycée moderne de Mans 350 à 150. On écoute les joueurs de Mans. Bonsoir, on vous sent un peu triste. Ça irait. Quels sont vos sentiments après ce match? Bon, le moral, c'est plutôt ça, mais bon, nous avons fait de notre mieux. On a vu que vous vous êtes battu, mais il y a eu beaucoup d'hésitation. Pourquoi? Bon, en fait, quand on arrive en sprint final, il faut mesurer les risques. Et quand on est déjà à terre, il ne faut pas s'enterrer. Donc, ne tentez pas tout. Anjorel, on a vu que tu as tout donné ce soir. Bon, c'est d'abord une énergie de désespoir. Et puis ensuite, il fallait que je parle, il fallait que je donne les réponses que j'avais. Que retenez-vous de l'expérience Génie en Herbe? Bon, l'émission Génie en Herbe, bon, d'abord, c'est un jeu d'excellence, de culture générale. Mais c'est aussi un moyen de rencontre entre plusieurs amis. Nous sommes fait des amis. On retrouve les jeunes de Jacquesville après leur qualification. Alors, comment s'est passé le match? Bon, par la grâce de Dieu, le match s'est bien passé. Et on a remporté 350 à 150. À quel moment avez-vous pris l'ascendant sur vos adversaires dans cette partie? On a tout fait pour bien commencer. Et on a pu garder un petit écart sur eux. Et Dieu merci, au sprint final, on est tombé dans un domaine que l'un d'entre nous maîtrisait. Et par la grâce de Dieu, on a pu gagner. Donc c'est le sprint final qui nous a fait gagner. Saint-Fort, on a vu que tu as survolé tout le match. Quel est ton secret pour les mots décalés? USBGJD. Saint-Fort. Trafic. Trafic, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points, Saint-Fort. Il n'a pas aussi un grand secret, c'est parce que depuis l'année passée, lorsque j'observais les gens jouer, lorsqu'elles donnaient les lettres, je décalais en même temps. Donc lorsqu'elles donnaient, je décalais. Donc c'est ça qui a fait que j'ai appris. Et puis aussi, j'ai appris technique aussi des anciens qui m'ont appris aussi les techniques, comment on décalait. Donc c'est par ça que j'ai amélioré ma manière de décaler. Tu étais aussi à l'aise avec le thème du sprint final, les organisations internationales. Les organisations internationales, pour d'autres, j'avais les réponses, mais j'hésitais. Parce que avant qu'on y vienne ici même, j'étais passé d'abord dans notre bibliothèque. Et j'ai pris un livre d'histoire où il y avait les organisations, donc j'ai vu les sièges, où c'était. Quand j'ai lu un peu et feuilleté, donc c'est resté de ma mémoire, comme j'ai une mémoire d'éléphant. Mohamed, pour la question de l'AIEA, tu avais la réponse ou pas? Donnez-moi le nom de cette organisation internationale dépendante de l'ONU basée à Vienne. Mon but est d'établir des normes quant à l'utilisation à des fins non militaires de l'énergie nucléaire. Mohamed. AIEA. Vous êtes sûr? Oui. C'est une bonne réponse. L'Agence internationale de l'énergie atomique, vous marquez 20 points, Mohamed. J'avais la réponse. Bon, depuis la rentrée à Jacquesville, je suis allé à la bibliothèque. J'ai fait des recherches sur les organisations et puis je n'ai jamais bossé. Donc c'est pourquoi je suis un peu déçu de moi. Parce que si Saint-Fort ne maîtrisait pas, et puis s'il ne maîtrisait pas ce domaine-là et que les adversaires avaient l'avantage avant le sprint, si on avait perdu, ça allait trop me faire mal. Le jeune Mohamed de Jacquesville a tenu à lancer un message à ses amis qui le regardent. Ok, chers amis, je vous invite à vous initier à la lecture parce que la lecture nous permet de nous cultiver, de connaître beaucoup de choses et puis ça peut nous aider dans beaucoup de circonstances. Et puis ne faites pas comme moi, si vous avez fait des recherches, bossez-les parce qu'on ne sait jamais. Bienvenue mesdames et messieurs sur le campus de Génie en Herbe. Trois matchs, trois défaites. Le tournoi n'a pas du tout été facile pour les jeunes de Mans. On les retrouve en train d'échanger entre eux devant la chambre de Anjorel, leur capitaine. Ce soir, ils sont tous là autour d'un bon repas réfectoire. EMPT, lycée moderne Cocody-Engrais, lycée moderne de Mans, lycée garçon de Bingerville, lycée moderne d'Audiéné, etc. Équipe qualifiée ou pas, tout le monde dîne dans la bonne humeur sur le campus Génie en Herbe. À demain.